C'est cool. Ok, bah tu me dis quand t'es cockpit, tiens, on y va. Allez, je lâche les freins. Parti. On voit que c'est pas comme un jet, le throttle met un peu de temps à répondre ici. Prends la bande de droite. Alors, article on, nav, taxi light et landing lights on. On va mettre un shift de 10 secondes, ok? Je m'arrête. Tu me dis quand t'es prêt? Ok, allez, RPM, enfin, mets mi-gaz à trottel. Sur frein. T'es bon? Leader top, disque. De rotate. Airborne gear up. Flaps up. Ok, je stabilise 150 nœuds, tu me rejoins. Que 250 nœuds. Pardon. Ça continue pas d'accélérer, putain. Voilà, je suis mi-gaz 160. Oui, je t'en rends, je t'ai dit que quand t'es en multi, il y a le lag, donc tu dois envoyer l'instruction à moi, et moi je te le renvoie. Ouais. Tu me dis quand t'es avec moi? 160, là, je suis un petit peu plus, 164. C'est la ligne turbulence, hein. Bah, tu vas me rattraper, hein, si t'as 5 nœuds de rapprochement, là. Et tire-moi la PS et on va aller faire un peu quelques virages, ok. Je réaccélère. Je suis à 175 là. Ah, en même temps, c'est un turbo propre. Hein. T'es avec moi? Et on va faire un virage gauche, les droites, pardon, DG. 3, 2, 1, top. Ah, j'ai envie de te regarder dans mon aile gauche, mais t'es pas là. Pas ah. Vas-y, t'es prêt, je cadence le virage un peu plus. On est à plat à 2500 pieds. Pas sous coup, hein. On a 20 transmissions par seconde, a priori. On va faire un passage à longueur de piste, type. C'est quoi, il arrive au break, juste pour le délire. Alors, tu comprends la vidéo à ce moment-là, d'accord? Donc on arrive au break et on se pose. Et je baisse le nez, réduis un peu les gaz, bigaz. Et les ailes à plat. Je suis même pas en bas.
le torque c'est bien RPM, je suis pile à 50. Ok, virage gauche. Putain, ce réflexe, je regarde à gauche, personne. Je cadence ça, un overshoot. Tu sais quoi, ouais, on corrige, hein, on est sali sur le taxi et pas la piste. 1500 pieds en Fox Echo. Ah bah on est beaucoup trop bas. Tu sais quoi, on maintient 1300 là, c'est bien. J'avoue que moi non plus je vois pas dans le HUD parce que il faut que je me soulève pour voir le HUD. Alors du coup je veux plus le FPM puisque le FPM il est en bas. Enfin, il est en haut et l'altimètre est en bas, tu vois. Et ça c'est pas aligné. Du coup je vois la vitesse, je vois le HUD, c'est bon au moins ça. Ouais voilà. Du coup je vole tête basse et je vois rien. Ok, je break à droite. T'es à gauche? Ok, je vais me rebriquer à droite quand on passe vertical tour. Enfin travers tour. Ah ouais, on se pose et puis tu coupes la vidéo. Non, mais non, un break c'est pas fait pour. Allez, break droite 10 secondes. Garde tes gaz hein, pendant que tu break. Il dort en arrière. J'ai dit c'est de garder gaz, hein, on reste à 202 là. Si. 202 c'est rien. Allez, j'ai sorti les trains pour moi. Voilà, confirmer les trois vertes. Il dort dans des virages. Quand tu passes sur la flotte, tu vires à ce moment-là. Hein. Pas de voler, pas de voler, pas besoin de voler. T'as cassé encore, ça vire à gauche à droite là? Ah ok. Et je suis à deux dans le dernier virage. La bande de gauche. 130 nœuds. Réduis ta vitesse en dernier virage, tu vas overshoot comme moi aussi. Réduis ta vitesse en dernier virage, tu risques d'overshoot comme moi aussi. Leader touch. Ah ok, oui, moi j'étais à 160. J'avais gardé les 202 en bande arrière. Ah ok, c'est bien. Je me laisse rouler, hein. je vais jusqu'au bout où il y a moyen. Vitesse contrôlée d'ailleurs. Ah oui, les parkings sont en bout pour nous. Et je quitte la piste. Runway vacate. Regarde la grande speed. Merde, j'ai pris le mauvais taxi. Tu prends le dernier taxi à droite. Sinon, quand tu prends le premier qui quitte la piste quand t'es au bout, il va à droite et pas à gauche. Je reprends au parking 2, tu prends ton parking 1 et on coupe OK. J'ai hâte de voir ce que ça a donné de ton point de vue. Par contre t'auras pas du coup les mêmes couleurs, c'est dommage. Je te passe X-Enviro, ton PC peut le tenir hein, si tient tout ça là. Enfin, juste regarde avec les nuages, quand il y aura un orage, bah du coup tu vas tomber à 0 FPS parce que les nuages sont volumétriques. 0 FPS c'est beau tu crois? Ah oui, bah t'as vu mes screenshots de tout à l'heure, t'as vu là quand j'ai montré toute la Belgique.
c'est ces nuages là et les tout, du coup t'auras ces couleurs là pour le ciel, ça refait tout, ça refait les ombres, ça refait la lumière ambiante, ça refait le soleil, ça fait plein de trucs. Alors, faut non plus pousser le bouchon trop là. Hein. Quand même plaisant, tu trouves pas sexy ce pilotage? Change hein, des jets. De piloter le T6. Et là, je suis au parking, je vire à droite. Du coup, toi, quand tu arrives au parking, moi j'ai pris tout à droite, moi tu prendras celui du milieu. Comme ça, tu te retrouves à l'envers comme avant. Tout au bout, tu quittes la piste, tu vas encore à gauche. Enfin, comment dire. Tu fais chemin inverse, donc quand tu es au bout, tu vires à droite, parce qu'il n'y a plus que ça, et tu prends à gauche. C'est la même. Ah oui, mais si c'est le parking civil, ici ils sont dans BMS, mais il n'y a pas de texture. Enfin, s'il y a des textures, mais pas de taxi. Ouais, ouais, c'est pour les civils là. Allez, comment on coupe déjà cet avion ici? Oui, bah, bêtement, il faut couper la trottole. Ah, mais voilà, tu coupes la trottole. Hein. Gen off, box off. Et voilà, batterie off. Ah putain, je t'avoue, je rage un tout petit peu que je te pisse pas devant. Ça m'en fait tellement plaisir, dis-toi, je cherche depuis février, hein, comment on fait. Ça parce qu'ils sont pas foutus de mettre un vrai multi dans le jeu alors que j'ai de passer par un putain de LAN quoi. Voilà, moteur éteint qui n'est plus ouverte. Alors peut-être que la canopie ne s'ouvre pas chez toi, enfin ne, tu verras pas ça, de synchro. Ah, ah c'est marrant, alors du coup quand les... Comment dire, quand toute la canopie, après quelques temps, les bonhommes disparaissent, il n'y a plus personne dans la vie. Les bonhommes sont dans l'avion? Ah bah ben, en gros il y a deux bonhommes. Je veux dire, en siège avant il n'y a rien, il y avait des gens. Ah. Un upload pour envoyer ça, comme ça je pourrais voir assez rapidement. Bah 2,5 Go, ouais, ouais. Moi 2,5 Go j'aurais quand même pour pas mettre du temps à envoyer ça. Ah et alors du coup tout ce qui est remove before flight etc se met automatiquement. Ils viennent de se mettre là pour moi. Regarde. Ok. Et du coup, les freins, t'as pas les mêmes freins que moi. Parce que franchement, avec le panneau, tu as vraiment l'avion qui monte, qui descend pire que le SS, tu vois. Bah oui. Dommage. Ok, ça c'est cool. La résolution d'écran c'est 1920x1080. Alors bon. Attends, je vais tester ça. Ah non, j'ai une gueulée. La veille de... C'est ça, 1920x1080.